Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Nico Paille. Aujourd'hui, on se retrouve pour la leçon 4, parcours périlleux. Et je vais baisser le son parce que ça va être très relou sinon. Bienvenue dans la leçon 4, nous y voilà, nous sommes à un tournant de cette leçon interactive. Le jeu que nous allons programmer cette fois-ci s'appelle, tiens-toi bien, parcours périlleux. Un jeu de plateforme, ok. C'est relou, on est obligé de laisser ça. Oh mon dieu, c'est Bowsword. C'est un jeu d'action dans lequel il faut surmonter toutes sortes d'obstacles pour atteindre l'arrivée. Ça va être génial, un véritable jeu d'action, tu te rends compte? Un jeu d'action, normalement, c'est en 3D, mais allez, pourquoi pas. On a du plein sur la planche, hop. Coucou. Paramètres. Sélectionne la couleur. Ah, le bas. Puissance de saut. Et pour finir, dans ce jeu, notre bonhomme devra se déplacer sur la droite. L'axe Y a... Ouh. Ah. Ok, hop. Appelle un nom dont Stick. On va dire gauche-droite. Attendez, parce que... Merde. B. Ok. Hop. Lui, on le met là. Ouais. Ouais. Ok, on retourne. Pour commencer, appelle ce cher dans ton écran de jeu. Yoho, je pense à toi, l'aimé. What? Nintendo parle de... D'accord, c'est bien. Comment on va faire ça? Oh. Wow. Tout est en place pour jouer à notre futur jeu. Alors, commençons par appeler le nom dans le monde. Ah, lui, on l'avait jamais appelé, hein. Ah, si. Quoi? Dans la sélection forme du monde. Aucune. Un nom dont objet de type bloc. Objet simple, bloc. Ouais, voilà. Putain. On va l'utiliser comme plateforme. Donc la section de propriété. Propriété, c'est où cette merde? Assure-toi que visible et solide, voilà. Parfait, ce n'est que le début, on va encore en rajouter plein d'autres. Tu ne vas pas me croire, mais tu as déjà fini l'étape 1. En 4 minutes 30, putain. Ok, on s'en branle. On se retrouve à l'étape 2, oui. J'ai peur que la vidéo se coupe. Je tiens à dire que vu que je n'ai pas énormément de stockage sur mon iPhone, ouais, j'ai téléchargé plein d'applis que je vais devoir désinstaller après cette vidéo. Du coup, sachez que si cette vidéo se coupe toute seule, ce n'est pas de ma faute, c'est juste j'ai plus de giga, du coup je vais devoir supprimer des applications.
Si on a le temps de faire 20-30 minutes de vidéo, parfait. Mais si ça se coupe avant, désolé, ce n'est pas de ma faute. Je préfère vous prévenir d'avance. Putain, quel con. Du coup, voilà, je préfère vous prévenir d'avance, comme ça, moi, c'est déjà fait. Attendez, il y a un truc. Nodon objet chic. Objet chic de type extraterrestre. Visible, solide, destructible et destructeur. Axe Y de 90. Ça nous en fait déjà deux. Ouais. Maintenant, l'écran des paramètres du bonhomme. Dans la sélection propriété, l'option destructible. Ok. Yeah! Appel un nom objet détruit. Ah, changement d'état, je suppose. Ouais. Allez, ouvre l'écran de ses paramètres. Bonhomme. Ok. Tu peux compter sur moi. Minuteur. On devrait essayer. Si je pouvais, tu recommences. Je suis dépressé. Il fait j'ai envie de me tuer, bordel de merde. Oh putain, qu'est-ce qu'il est relou ce vieux con. Voilà. Chez. Le jeu recommence, c'est pas fait. Cela dit, on a encore un petit problème. Tu peux essayer de tomber de la plateforme, s'il te plaît? Oui! Il ne se passe rien. Idéalement, il faudrait que le jeu recommence quand tu tombes dans le vide. On s'occupera de ça à la prochaine étape. Parfois, on dirait qu'on y est. Tu as fini l'étape en 8 minutes! Ah putain! Ah, c'est marrant! T'as la chance que ce soit très rapide. Non, ça va être les dernières étapes les plus chiantes, comme d'hab. Ok. Merde. On avait un petit souci. Voilà, il ne se passe rien. Le bonhomme ne fait que tomber à l'infini. Vu que le jeu recommence quand le bonhomme est détruit, il faut qu'on fasse un truc pour qu'il tombe dans le vide et qu'il meure. Objet capteur. Capteur de position. Aïe. Paramètres, propriété visible. Pour faire ça, on va utiliser le nom de comparaison de type inférieur. Appelle un nom de comparaison. Inférieur, ok. Le port Y avec l'entrée 1, ouais. Constante. Ok, elle est là. Paramètres. Merde. Ok. Oh. Ok.
Émettre, effacer, détruire objet. Ouais, voilà, je me disais que c'était un nouveau lui par contre. Ouais, détruis-moi. Ouvre ses paramètres. Désactive l'option visible. Ouvre, détruire quoi? Maintenant, attache le nom d'on. Objet. Putain, il va en avoir des trucs, ce con. Non, donc on parle à détruire, oui. Putain, dire que Nintendo a dû se faire chier à ça. Ah, yeah! Tu sais déjà ce que je veux dire? Tu l'as fini en 11 minutes. Attendez, parce que là c'est très bizarre quand même. J'ai envie de regarder dans le doute. Attendez, je vais regarder. D'accord, donc ça doit durer en tout 1h20. Ouais, donc ça sera les derniers trucs qui seront beaucoup plus chiants. D'accord. Salut, salut, on entame l'étape 4. Heureusement. Et merde. Oui, oui, on fait ensemble. Pendant cette étape, on va créer une planche à bascule histoire de. Notons objet. Type sphère. Ok, on met là. Ouvre ses paramètres. Mets l'option visible. On appelle un nom objet de type bloc. Ouvre ses paramètres. Propriété solide et mobile. Ok. Couleur. Jaune. Il est où, jaune? Ok, il est là. Pour finir, ouvre le point d'attache. Et paramètre le point d'attache. Propre. Bon, au pire, automate. Ah. À présent, attache le nom d'on objet. À présent, attache le nom d'on objet de type bloc. Au nom d'on objet qui nous sert de. Ok. Allons voir ce que ça donne à l'écran. Mais elle ne monte pas d'un signe, quoi. Ce n'est pas ça qu'on veut. Pour qu'elle se balance, on va mettre une attache spéciale pour se faire nos dons. Objet. Attache. Charnière. Attache coulisse. Attache charnière. Z. Compliqué toute cette merde. C'est compliqué tout ça. Bien, allons-y. Efface la tâche. Attends, quoi? Bien, allons-y. Efface la tâche. Ça veut pas. Qui relie. Ah, ok, ça. Non. Oh. Ça tourne même un peu trop. Bah oui, il faut changer la vitesse. Bah oui, voilà la vitesse. La fameuse. Ouf.
Bref, hop, comme ça, moi, c'est plus simple. Oui, je suis un rageux. Alors, allez, saute. Hop, hop. Ouais, ça rentre bien comme ça. C'est parfait. C'est parfait. Tu as fini l'étape 4 en 15 minutes 40. C'est trop bien, putain. Étape 5. Ça sera un très grand let's play du samedi maintenant que j'y repense. On se retrouve pour la cinquième étape. Ouais. Plus une minute avant. Zou. Commençons à créer une nouvelle plateforme. Nos dons objets de type bloc. Voilà. Les paramètres dans la section propriétés visibles et solides. C'est bon, tu peux fermer. Non, objet de type bloc. Paramètres. La couleur, ouais. Bleu pâle, ouais. C'est très relou hein, de nous mettre ici. Et hop, il est tombé, quoi de plus normal, mais voilà. Ce qu'il nous faut à nous, c'est un bloc qui ne tombe pas quand on le pousse de la plateforme. On va programmer tout ça. Appelle un nom dont attache coulisse X. Putain, c'est compliqué toute cette merde. C'est compliqué la programmation. Je crois en fait si je dois travailler dans le jeu vidéo, je vais surtout être scénariste et pas développeur. Hein. Ça, c'est beaucoup plus simple d'être scénariste, je trouve. Après, ça se peut que c'est le truc le plus dur, hein. Mais bon, je me dis que scénariste, ça va. T'as juste à imaginer une histoire, t'écris des textes et tout le bordel, et c'est tout. Alors que la programmation, c'est quand même tout ça, hein. Ça fait chier. Puis en plus, et encore, la programmation, ça va. Hein. Le plus dur, c'est le codage. Parce que là, tu dois noter des... Tu dois écrire des trucs, appuyer sur entrée, parce que forcément tu fais sur PC, donc tu appuies sur entrée, et si c'est faux, même s'il n'y a qu'une seule faute, tu dois tout retaper à zéro. Du coup, la plupart du temps, c'est pour ça que quand il y a du crunch dans le jeu vidéo, c'est peut-être à cause de ça, parce qu'il y a eu énormément de fails, ou que l'éditeur en question n'a plus de thunes, et du coup doit sortir le jeu le plus vite possible. Yé. Ah bah non, merde, c'est l'entreprise la plus riche. Alors pourquoi ils nous sortent des jeux bâclés? Le nom dans objet du haut, putain, mais c'est quoi ces noms? Ah. Parfait. Moi je travaille sur l'axe. Je suis sûr que tu vas adorer les mini. Je me demande si je change de nom sur ma Switch, est-ce que ça va dire un autre nom ici ou non? Je sais pas. Ah, c'est marrant, non? C'est rigolo, il est... On allait crever. Alors, c'était comment, Lémi? Hein? Ce n'est pas Patrick parce que le blog glisse dans les airs à l'infini. Désolé, j'en assume toute la responsabilité. Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Pas vrai, Lémi? Ouvre l'écran des paramètres du nom dont attache coulisse, s'il te plaît. Là, c'est... Donc 0 ici, hein. Du coup, de la merde. Quoi? 3,0. Une deuxième chance. Cette fois, je te décevrai pas, l'ennemi. Vas-y, pousse le bloc pour voir. Il s'est arrêté? C'est bien plus pratique. Et il y aura tellement de jeux d'énigmes qu'on peut faire avec ça, c'est énorme.
Ça va être du professeur Layton, le bordel. Putain, ça serait cool, hein. Ça fait un peu comme un escalier, c'est rigolo. J'ai merdé. Ouais, on termine cette étape et je coupe la vidéo. Parce qu'on est quand même à 20 minutes. Putain, j'ai pas vu le temps passer. Vraiment, c'est... C'est où, je trouve. J'ai vraiment pas vu le temps passer. On dirait bien qu'on y est. Tu as terminé l'étape 5. Quand on pousse un peu, je peux faire des merveilles. Yop, bien joué. Voilà, voilà, on a utilisé le nom attache-coulisse pour créer un bloc qu'on peut déplacer en le poussant. La prochaine fois, on va programmer un mécanisme un peu technique. Je sens que ça va te plaire. Sur ce, on se retrouve à l'étape suivante. J'ai envie de le faire, mais c'est risqué. Parce que ça se peut que c'est à partir de là que ça va être énormément long. Mais, ouais, allez, je prends pas de risque du coup. Et ben voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce stade Mikoupa. Et puis moi je vous dis au revoir tout le monde.